Monsieur le maire, où sommes-nous ? Beaucoup de changements. Nous sommes sur l'emplacement de l'ancienne salle des marronniers, cette vieille salle des fêtes qui aujourd'hui est remplacée par une nouvelle salle des fêtes, un grand complexe à la disposition de la population et qui a été travaillé par un atelier pendant des mois et des mois. Et je pense que nous allons avoir l'occasion d'en reparler dans le détail. Mais nous sommes là dans l'allée qui va permettre à ce qu'un certain nombre d'expositions, de présentations, de travail puissent être mis à la disposition de la population. Un très très bel outil, à mon avis, à la disposition de l'ensemble des Aubagnaises et des Aubagnais. Et là, où nous trouvons-nous ? Nous sommes dans la salle des mariages et le panorama qui vous est présenté montre toute la différence qu'il y a entre cette nouvelle salle ultra moderne et notre vieille salle ô combien sympathique où des centaines d'Aubagnaises et d'Aubagnais se sont mariés. Salle des mariages avec deux salles de réunion contiguës et puis la grande salle des fêtes, 600 mètres carrés, possibilité d'accueillir 2500 personnes. On imagine très facilement combien les associations, les Aubagnaises et les Aubagnais vont être heureux de pouvoir profiter de ce magnifique complexe, avec en plus de vin une magnifique esplanade qui permettra d'accueillir petits et grands pour les soirs de printemps et les matinées d'été. Et je vous donne donc à tous et toutes rendez-vous le 6 avril où nous aurons l'occasion ensemble d'inaugurer ce magnifique complexe.